Les 27 États membres de l'UE se sont réunis à Kiev lundi pour discuter du soutien apporté à Kiev alors que le conflit Russie-Ukraine entre dans son 20e mois. Lors de cette réunion, l'UE a proposé un programme d'aide militaire d'une valeur de 5,3 milliards de dollars pour l'année prochaine. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a également annoncé des projets d'entraînement de 40 000 soldats ukrainiens, dont les pilotes d'avions de chasse. Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE a également été abordé. Selon les diplomates de l'UE, permettre à un pays de la taille de l'Ukraine d'intégrer le bloc nécessite une hausse considérable du budget et constituerait l'un des plus grands défis à relever pour l'UE. Cette réunion intervient alors que Kiev peine à obtenir des avancées significatives dans sa contre-offensive, mais espère obtenir davantage de soutien de la part de ses alliés occidentaux.